j'espère que vous allez très bien. Ah. Hey tout le monde, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi ça se perd. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai eu pour Noël. Donc cette vidéo là, c'est pas pour me vanter. Je sais que j'ai quand même eu énormément de choses pour Noël et j'en suis consciente. Du coup, bah voilà, sans plus attendre, je vais essayer avec la suite. Premièrement, Daniel Wellington m'ont envoyé une montre que je voulais pour Noël, donc ça c'est trop bien qu'ils m'ont envoyé. Donc j'ai pris celle-là avec le bracelet, donc ça c'est un bracelet en jonc, j'ai pris la taille S. Ça c'est la petite H-fil en maille noire, elle a le cadran rose gold et c'est la 32 mm, et moi je trouve que ça va super bien avec mon poignet. Du coup voilà, et j'ai un code promo qui s'affichera sur l'écran. Et je vais aussi vous parler des bougies My Jolly Candle. Donc j'en ai reçu deux, mais l'autre elle est en bas et puis elle est finie. Il y a cette bougie là, c'est la Fresh Coconut à la noix coco. Et j'ai aussi celle au marshmallow grillé. Donc en fait le concept c'est de faire brûler la bougie et au bout de quelques heures vous pouvez récupérer votre bijou. Donc j'ai récupéré mes deux bijoux, donc j'ai un comme ça. Donc c'est des bijoux Swarovski. Et j'ai aussi le collier comme ceci. Donc c'est vraiment des hyper beaux bijoux. Donc c'est une super bonne idée, par exemple, bon je sais que ça c'est dans hyper longtemps, par exemple pour la fête des mères ou même pour Noël, vous aurez pu offrir ça à vos proches. Du coup je vous mettrai mon code promo ici. Alors donc mon frère est allé à Disney avec sa petite amie et sa petite amie m'a offert le Tsum Tsum le clochard, donc dans la belle de le clochard. Donc voilà, il est hyper hyper beau et il vient du parc Disneyland. Ensuite, ma tata m'a offert un parfum, donc c'est Anaïs de chez Cacharel. Il sent hyper hyper bon, d'ailleurs j'ai mis la boîte ici. Et en plus j'arrivais pas à me trouver du parfum et tout, et puis elle m'a offert en surprise et j'aime trop 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 l'odeur. Ensuite j'ai eu une JBL Go, donc c'est une petite JBL vraiment hyper hyper bien. Après elle est assez petite et tout, mais enfin franchement moi le temps que je peux écouter de la musique... à fond, bah ça me va. Ah oui, et ça je l'ai eu par le travail de mes parents. Ensuite mon frère m'a offert le livre de Squeezie, donc tourne la page. Ensuite j'ai eu les Sheila Disruptor, donc elles sont hyper hyper sales par contre. Donc c'est celle-ci, elles coûtent 130 €, elles sont d'un et elles sont belges, c'est les Fila Destructeur Suède il me semble. Elles sont trop 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 jolies, je sais que c'est des chaussures qui coûtent hyper cher et hyper spéciales. Ma mère m'a dit que ça ressemblait à des chaussures orthopédiques, voilà. Après je sais très bien qu'il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont aimer, personnellement moi j'aime bien, c'est mes goûts, donc voilà. Ça c'est un cadeau surprise, ma mère m'a offert un pyjama de chez Undies, la panthère rose, donc avec le haut, genre il est trop trop beau. C'est un pyjama que je voulais, que j'avais vu et tout, avec le bas, et je le trouve vraiment trop joli. Avec des petites têtes de la panthère rose. Ensuite j'ai eu un jean noir tout simple de chez Bershka, parce qu'il m'en fallait absolument un, parce que je trouve que c'est tellement un basique. Je porte un jean noir avec un t-shirt, c'est bon, ta tenue elle est faite. Donc c'est un jean comme ça, il est tout simple. Et le bas il est comme ça, genre il y a une petite entaille. Pantalon à pinces de chez Bershka, pareil. Bon, je sais, il y en a qui vont pas du tout aimer le motif, il y en a qui vont bien aimer. Ça fait un peu motif papy, je sais. Ça, c'est une taille XS. Et au bout, bah, on a un petit ourlet comme ça. Et je le trouve trop trop beau. De toute façon, je vous montrerai tout porté. Ensuite, on va passer au t-shirt. Donc, premier t-shirt que j'ai sur moi, c'est un t-shirt Levi's tout simple. Ensuite, un autre t-shirt, c'est un t-shirt Levi's encore une fois. Donc c'est le t-shirt comme ça, donc bleu Levi's et rouge, donc bleu blanc rouge quoi. Et il est trop 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 joli. Ensuite, ça c'est... Ah franchement je le trouve trop 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 joli, je suis trop contente de l'avoir. C'est un t-shirt champion. Donc il est bleu comme ça, enfin il est blanc avec écrit champion en bleu et là il est rouge. Donc au début je le voulais en gris et je suis trop contente de l'avoir pris en blanc parce qu'il est carrément plus beau en blanc. Avec le petit logo champion ici, il est trop trop beau. Genre tu mets ça avec le jean noir, ça te fait une tenue. Ensuite,
Je vais m'acheter des Vans, mais vu que chez moi elles sont en rupture de stock. Je sais pas pourquoi elles sont en rupture de stock. Enfin, genre, je pensais que j'allais les trouver et tout. Mais en fait, non, en 38, il y avait plus. Il restait plus du 39. C'est une blague. Et du coup, voilà, faudra que je les commande sur internet, sur le site Vans. Ensuite, dernier article dans les vêtements. Et une fausse fourrure comme ceci, donc avec les manches. Donc au bout les manches elles sont comme ça. Ah oh, mais je fais sur électrique. Donc attention c'est une fausse fourrure parce que je porte pas d'abri. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Ah oui au niveau de la fermeture genre c'est un rond comme ça. Je trouve ça, ça rajoute un truc. Ça donne un style quoi et j'aime bien. Ensuite on a une capuche et tout. Elle donne hyper bien portée. Et c'est du XS qui vient de chez Bershka. Un nouveau sac et tout, donc j'ai pris un Longchamp. Donc c'est un sac Longchamp noir comme ça, c'est le pliage, un sac cabas pliage, il est noir, donc ici c'est marron et je pense le garder assez longtemps, du coup voilà. Alors, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé te montrer mes cadeaux de Noël. Bon c'est un peu comme un haul mais c'est un haul Noël, on va dire ça comme ça. En tout cas j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Je vais vous remercier parce qu'on est 77 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est juste énorme. On s'approche des 100 000 de plus en plus. Du coup voilà. Allez la bisette.